Bonjour à tous, bienvenue au bord du lac de Saint-Quentin en Yvelines, dans le département des Yvelines, sous ce magnifique soleil. Comme vous pouvez le constater, le lac est complètement gelé suite à des températures polaires et glaciales. Alors polaires, j'exagère peut-être, mais plutôt glaciales, où les températures sont descendues jusqu'à moins 10 degrés localement, moins 15 localement sur les plaines du nord-est, moins 20 à moins 25 degrés sur les Alpes et moins 15 à moins 20 degrés sur le massif central. Et à Fontainebleau, on a relevé jusqu'à moins 14 degrés et moins 8,5 degrés donc au nord de l'Essonne. Cette vague de froid qui a débuté lundi devrait prendre fin dans le courant de la nuit prochaine avec le passage d'une perturbation pluvio-neigeuse. Pour la première fois depuis 32 ans, la ville d'Ajaccio en Corse du Sud s'est réveillée sous un magnifique manteau blanc d'une quinzaine de centimètres, du jamais vu depuis plusieurs décennies, depuis 32 ans au moins. Le lac étant complètement gelé, nous allons faire un petit test pour voir si la glace est solide et visiblement ce n'est pas vraiment le cas. Voilà.